vie d'un air batracien. Il vous reste 2 ans et ce sera la fin. Y'a des millions d'humains qui meurent chaque matin. Un de plus ou de moins, je n'y peux vraiment rien. Je suis donc resté là, la mâchoire décrochée, méditant la tirade de cet homme éclairé. Sans oublier, je pourrais pour me consoler, pour occuper le temps qu'il me reste à passer, faire le compte de mes congénères infortunés qui ont 2 années. Et le temps qui se tire, 2 années. Dans un dernier soupir, 2 années. Et il y a toujours pire, 2 années. 2 années. Le médecin m'a dit d'un air hollywoodien, pensez donc mon ami à vos contemporains. La chronique de la mort qu'il vient de m'annoncer n'a aucun intérêt pour son autorité. Combien d'Indonésiens et combien d'Africains vont mourir d'une balle ou vont mourir de faim? Combien d'Américains et combien d'Irakiens chantent dans la chorale des destins incertains? Combien d'Israéliens et de Palestiniens? Combien d'Européens, de Sud-Américains? Combien de Londoniens et combien d'Ukrainiens? Combien de mes voisins, combien de mes cousins? Combien de mes frangins vont trépasser demain? 2 années. Il faut toujours courir, 2 années. Dans un dernier soupir, 2 années. Il y a toujours pire, 2 années. 2 années. Mes amis sont partis visiter l'au-delà, ou bien changer de vie tout en me laissant là, attendre patiemment, inconfortablement, le jour où sous la terre je nourrirai les vers. Ce mec n'a pas de blé et va bientôt crever, autant le suicider et s'en débarrasser. Ce mec est bien fini dans notre société, il vaut mieux être mort et fortuné